Bonjour et bienvenue sur Disney Channel Express. Aujourd'hui, on part à l'aventure avec la belle Réponse. On te parle d'une toute nouvelle histoire appelée Réponse, moi j'ai un rêve. Tu te souviens que Réponse est passée de cheveux blonds très longs à des cheveux bruns coupés très courts? Eh bien, dans ce film-là, elle retrouve comme par magie son impressionnante chevelure dorée. Mais passons maintenant à notre petite activité du jour. Aujourd'hui, on va faire une partie de action ou vérité, mais sans la partie vérité. Oui. En fait, on va relever plusieurs défis pour découvrir si on est aussi courageux et fort que Réponse. Oh! C'est un passage secret! C'en était un avant que tu le crées à tout le château. Réponse? On a appelé ce jeu Action en mode réponse. J'ai trop hâte de commencer, alors à l'attaque. Oh, attention. Birgit, j'ai un premier défi spécial réponse à te lancer. Tu te souviens du passage dans lequel Réponse porte une immense perruque blanche? Je suis déjà dans l'état d'esprit princesse. Plus la perruque est grande, plus on fait princesse, pas vrai? Eh bien, on va te faire porter exactement la même perruque. Alors, oh, non. Installe-toi là et reste immobile comme un mannequin. On va se servir de ça. Surtout, tu ne bouges pas. Parfait. Je sens que ça va être génial. Un peu de sécurité. Et voilà, il ne manque plus que la touche finale, parce qu'elle a aussi une plume dans les cheveux. Ta-da! Tu vois bien sur ton écran? Trop drôle. Ok, on va te retirer ta belle perruque. Ce n'est plus Réponse, moi j'ai un rêve, mais plutôt Birgit, moi j'ai un rêve. Ok, alors maintenant à toi. Tu vas devoir te déguiser en Réponse. Tu devras donc avoir une robe comme elle et une poêle à frire. Je vais te trouver une poêle à frire. Malheureusement, il n'y a pas de robe. Comment on fait? Mais si, il y a une robe. Oh non, dis-moi que c'est pas vrai. Waouh! Réponse, c'est bien toi. Et la métamorphose doit se faire en 10 secondes. T'es prêt? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est bon! La poêle à frire devrait plutôt être dans ce sens. C'est pas mal, je trouve. Je prends une photo. Oui. Ok. Merci, ma jolie. C'est bon de se retrouver. Pour le défi suivant, tu vas devoir me faire un dessin de Pascal, le caméléon, mais tu devras avoir les yeux fermés. Ça te tente? Oui, d'accord. Mais figure-toi que pour ton prochain défi, j'allais te demander de dessiner Maximus, mais avec les yeux fermés, toi aussi. Alors, on n'a qu'à le faire en même temps. En 30 secondes, ça te ouais. va? T'es prête? Oui. Allez, je vais poser le chrono par terre. J'ai hâte de me lancer. Allez, on les attaque. Yeux fermés. Oui. Oui. 3, 2, 1, partez. C'est fini. Alors? Et voilà Pascal. Il est très réussi. Sur la fin, il est un peu trop fin, mais sinon, ça va. Il a fait un régime, c'est sûrement pour ça. Il n'y a pas à dire, on est vraiment doué en dessin. Waouh! Voilà, on a fini notre petite série de défis aussi bizarres qu'amusants. Et maintenant, j'ai l'impression d'être aussi forte que Réponse. Moi, je savais déjà que j'étais aussi fort que Réponse. Ouais, c'est ça, dans tes rêves. On espère que t'as apprécié ce Disney Channel Express. Oui, et n'oublie pas de regarder toutes les autres vidéos de la série. Au revoir.